Mot peut-être, vous n'avez pas tourné la page en tous les cas de la boxe. Quel est votre avenir d'un point de vue sportif? Mon point de vue sportif aujourd'hui, il faut savoir que je ne suis plus marocain. Une fois que j'ai acquis la nationalité française, j'ai renoncé à la nationalité marocaine. D'ailleurs, ça, c'est mon passeport marocain, comme vous le voyez ici. Est-ce que vous n'êtes pas dur d'assimiler, par exemple, tout ce que vous avez vécu au Maroc, le peuple? Je le dis cher, parce que pour moi, je ne peux pas être lié à un pays qui torture ses propres citoyens. Ça, je ne peux pas l'accepter. J'étais torturé alors que j'avais levé le drapeau de ce pays. Il faut savoir que j'ai déposé plainte ici. J'ai déposé plainte après. Mes avocats, Maître Patrick Baudouin, président d'honneur de la FIDH, et Maître Clément Spectacle ont déposé plainte en mon nom au pôle spécialisé crimes contre l'humanité, crimes de guerre, pour faits de torture. Et d'ailleurs, au terme d'un procès verbal de synthèse en mars dernier, l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité, les génocides et crimes de guerre, à la suite de longues investigations, expertises médicales et psychologiques, a conclu qu'il existe une ou plusieurs raisons plausibles de présumer que les infractions de torture ou actes